Artmoustique présente aujourd'hui sa nouvelle enceinte CPH10 qui intègre une nouvelle gamme qui va s'appeler CPH, qui sera constituée notamment d'un petit amplificateur triphonique avec un caisson et plusieurs enceintes qui seront connectables en triphonique. Pour la CPH, elle existe en deux versions, une version passive qui existe depuis l'année dernière et une nouvelle version active. Le gros avantage de cette enceinte, c'est qu'on peut l'utiliser en Bluetooth ou directement connecté avec une Chromecast audio. Ici aujourd'hui, on a l'encoche de la version passive. La version active est exactement la même avec en plus l'amplificateur à ce niveau-là. Et on peut donc cacher à peu près n'importe quel streamer de petite taille sans fil à l'intérieur de l'enceinte. Et cette enceinte va pouvoir être utilisée avec son haut-parleur de 25 cm et son tweeter, aussi bien en home cinéma, en multi-room qu'en utilisation commerciale pour les bars, les restaurants, les cafés et ainsi de suite. On peut l'avoir dans la couleur qu'on veut, on peut avoir la grille ici dans la même couleur que l'enceinte, mais qu'on peut avoir dans la couleur qu'on veut aussi, y compris avec des photos personnalisées ou des photos d'artistes à votre guise. Le produit en version passive se positionne aujourd'hui sur le marché français autour de 1 000 euros et le prix de la version active sera dévoilé dans quelques jours.